Et salut tout le monde, c'est Quick Zé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois pour visiter ma fuck foraine. Donc ce sera la partie 1 parce que il y aura deux parties. Donc la première partie, on va visiter comme ça. Voilà. Et la deuxième partie, on visitera le reste. Donc comme ça. Voilà. Donc du coup les mecs, on est parti, on est sur ma fuck foraine, Quick Furry Foire. Donc pour ceux qui sont là depuis longtemps, normalement vous devez la connaître, et ben là on va la revisiter une deuxième fois parce que il y a eu des nouveautés. Donc c'est parti. Alors règle, ne pas toucher à sa manette dans les manèges. Donc voilà, il faut bien sûr être dans la vocale, dans ma vocale à chaque fois que je l'ouvre pour jouer avec moi, enfin, pour venir dans la vogue. Parce que comme ça vous aurez la musique et en même temps vous pourrez faire toutes les attractions. Donc voilà. Donc les mecs, du coup c'est parti, on va commencer ici. Donc ici on a le King, un manège qui se balance comme ça. Voilà. Comme un peu un backup pirate, mais sauf que ça tourne. Voilà. Ici on a des coups de poing. Donc voilà. Ici on a des pinces. Ici on a des pinces encore, voilà. Ici du coup on a un breakdance, donc c'est un manège qui tourne comme ça, et les wagons ils tournent aussi comme ça, voilà. Dans le sens inverse par contre. Donc ça tourne comme ça et les wagons ils font comme ça. Ici on a le manège des sous, donc le jeu des sous, enfin moi j'appelle comme ça, donc en fait c'est des pièces, le jeu des pièces, voilà. Donc c'est un peu un casino, et voilà. Ici on a du coup un stand de bouffe. Ici on a un manège, donc c'est des grandes autos, grandes autos tamponneuses, voilà. Donc elles sont plutôt belles, ça m'a pris énormément de temps à les faire. Ici on a la pêche à la ligne, voilà. Ici on a un parcours, voilà. Ici on a une chenille, et ici on a une chenille qui tourne en rond, donc voilà. Après du coup on va passer par là. Ici désolé pour l'alarme. Je sais pas si on a gardé l'alarme, mais bon. Bon, du coup, ici on a un bateau de pirate. Ici on a un tapis volant, donc ça fait comme ça. Comme ça, voilà. Limitation 20 sur 20. Ici on a un petit totem infernal pour les enfants. Ici on a un breakdance. J'ai plus d'oreilles. Qu'est-ce qui se passe encore? Pas en classe, vraiment pas rajouté au montage. Je sais qu'il y a une inondation, mais bon, je sais pas si c'est. Ah oui, ok. Je sais ce que c'est. Alors là, je dis bien, en fait, c'est chaque premier mercredi de chaque mois. Et là, j'ai dit chaque premier mois de l'année, bah ça se passe, mais en fait, non. C'est chaque premier mois, chaque premier mercredi du mois. Donc là, ça dure bien longtemps. Il est déjà midi, hein. Normalement, c'est déjà midi. Ok, c'est bon. Du coup, on va continuer la visite. Donc ici, on a un breakdance. Ici, on a un stand de pouf encore, voilà. Ici, on a des trampolines. Ici, on a un manège en construction. Ici, on a un booster. Donc en fait, c'est un manège qui tourne comme ça. Vous avez la tête à l'envers. Il va à 100 km/h et 5 G et 50 mètres de haut. Donc voilà. Ici, on a le grand V. Donc c'est moi qui a monté ce nom. Mais si ça fait comme ça, c'est une balancelle. Donc vous êtes dans un wagon. Ça fait comme ça et le wagon il tourne. Voilà. Et là, il y en a un autre. Voilà.
ici on a encore des autocampos, mais là c'est vraiment des toutes petites. Donc, voilà. Et ici on a un parcours. Et là on se retrouve pour le dernier manège, c'est un totem infernal, mais pour les grands. Et voilà. Donc pour la prochaine partie, on visitera tout ça. Et puis bah voilà, en tout cas, c'est Kekwetzel. Ciao ciao. Ciao ciao.